mon Dieu qui est puissant. Alléluia. Nous ne voulons pas juste le chanter, mais nous voulons faire de cela une déclaration. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Ce n'est pas juste chanter, c'est que je suis en train de déclarer en fait. Mon Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Il est plus puissant que toute combinaison démoniaque. Il est plus puissant que toute association. Il est au-dessus de toutes choses. Nous servons un Dieu puissant. Amen. Et c'est une bonne chose que de savoir que notre Dieu est puissant. Alléluia. C'est pourquoi, après avoir chanté une telle chanson, la balle se retrouve dans notre camp. Est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu Alors si tu crois, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu te tracasses? Est-ce que tu crois qu'il est vraiment puissant? Hein? Alléluia. Mon Dieu est puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, je crois qu'il est puissant. Alléluia. Regarde à ce voisin qui t'a dit, je crois qu'il est puissant. Alors, j'ai bien entendu, hein? Je vais te le rappeler. Alléluia. Va-t'en ouvrir pour ces deux. Maintenant, le travail devient plus important que le Seigneur.
Ah, je ne peux pas aller à l'église parce que je travaille. Alors que, bon, Dieu t'a donné le travail. Bon. C'est. Waouh, il y a un silence. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut toujours garder Dieu en premier. Amen. N'ayez jamais se tromper là-dessus. Dieu, c'est toujours celui qui bénit. La bénédiction est temporaire, elle va passer, mais Dieu demeure. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, la personne ne vient plus à l'église. Et ça fait très longtemps, mais il y avait une jeune dame qui m'avait confessé cela. Que des fois, elle manquait l'église parce qu'elle avait trop de vêtements. Que des fois, elle allait être devant la garde-robe. Elle ne sait plus quoi porter. Elle porte ça, elle enlève. Elle met ça, elle enlève. Et puis, bon, elle rate l'autobus. Puis elle devient découragée pour arriver à l'église en retard. Et puis elle vient plus. J'ai dit, Seigneur, fasse que son garde-robe brûle ou quelque chose. Qu'elle n'ait plus de vêtements, qu'elle n'ait seulement deux robes. Comme ça, elle ne va plus perdre. C'est mieux pour elle d'avoir juste des robes, deux robes, et de venir à l'église que d'avoir 50 robes et de manquer l'église pour à cause de la 50 robes. Allô? C'est vrai, non? Enfin, dans ma logique, je vois que pas tout le monde est d'accord, mais et surtout les dames. Donc vous voulez manquer le ciel à cause des robes. La trompette sonne et puis toi tu es là. Ah, je ne sais pas quelle robe je vais porter. Mais c'est tout simplement mettre Dieu en premier, pas la robe en premier, parce que là tu n'as pas changé. Si hier tu fais 5 heures à choisir la même robe, et que on a rien gagné là. Si Dieu est premier, tu ne vas pas passer 15 minutes à choisir la robe. Allô? Oh boy! Aujourd'hui, je vais avoir de la difficulté là. Aujourd'hui, ça va être chaud. Oh, alléluia. Mais il faut que Dieu soit premier dans nos vies. Bref, les bénédictions ne doivent pas être prendre la place. Ça devient de l'idolâtrie quand les bénédictions prennent la place du bénisseur. Quand la provision prend la place du pourvoyeur, ça devient de l'idolâtrie. Dans le monde, on appelle ça profiter des gens ou abuser des gens. Si je viens te voir seulement lorsque j'ai besoin de quelque chose, tu vas commencer à m'éviter. Tu ne vas pas me compter parmi tes meilleurs amis. Tu vas dire à lui, il n'est pas correct. N'est-ce pas? Alors, on ne peut pas faire comme ça. Donc, Dieu a été le roi d'Israël. Israël n'avait pas de roi. Dieu était le roi. Et pendant un temps, il y a 16 juges qui se sont succédés à la direction d'Israël. Mais Israël n'était pas conçu pour avoir de roi. Et ces juges se sont succédés l'un après l'autre. Et comment ça s'est passé, c'est que à chaque juge, les juges conduisaient les enfants d'Israël dans la voie de Dieu. Mais quand les juges mouraient, les enfants d'Israël s'éloignaient au fait des voies de Dieu. Et quand les enfants de Dieu s'éloignaient des voies de l'Éternel, la protection de Dieu n'était pas là. Et quand la protection de Dieu n'était pas là, les ennemis qui l'entouraient les dominaient. Et quand les ennemis les dominaient,
Le peuple commençait encore à se lamenter, commençait à prier, il retournait à Dieu. Et quand il retournait à Dieu, Dieu avait pitié d'eux et il élevait un juge qui les conduisait, qui les ramenait en fait dans le voie de Dieu. Et du temps que les juges vivaient, les gens allaient marcher dans les voies de Dieu. Mais à la mort du juge, ces gens allaient encore dévier et ça allait être comme ça et l'histoire se répétait jusqu'à Élie. Jusqu'à Samuel. Et Samuel a été le dernier juge que Israël a eu. Et nous allons voir un peu comment ça s'est passé avec Samuel. Ça, c'est une histoire très triste, mais beaucoup de leçons là-dedans en ce qui concerne notre attitude par rapport à la prière, par rapport à l'approche aux choses de Dieu. 1 Samuel 8, on va lire 1 Samuel 8 à partir du premier verset. Lorsque Samuel devint vieux, il établit son fils juste d'Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel marchaient à poil sur cette race. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es Dieu et tes fils ne marchent point sur tes races. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel dit avec dépression qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Ouais. Pose un peu. On va d'abord décortiquer un peu ce qui vient d'être lu. Et la Bible dit que lorsque Samuel est devenu vieux, il a pris ses enfants, il les a placés sur Israël pour juger. En fait, il était vieux, il ne pouvait plus faire toutes les tâches. Mais le problème, c'est que ses enfants étaient gâtés. Ça, juste en passant, un petit conseil à tout parent. Ce n'est jamais rentable de gâter un enfant. Un enfant s'élève avec la discipline et non la négociation. Hein, tu négocies avec un enfant là. Non, on ne négocie jamais avec un terroriste. Il ne faut pas négocier avec un enfant. Il ne faut pas négocier avec un terroriste. Les enfants vont dire toujours, ah, si tu ne me donnes pas, je ne vais pas faire cela. Ah bon? Non, pas de négociation avec un terroriste. Un enfant, ça doit s'élever avec une discipline. Et un enfant qui est discipliné fait la fierté de ses parents. Amen. Mais un enfant qui n'est pas discipliné, il fait la honte de ses parents. Au fait, c'est difficile maintenant de corriger un enfant qui n'est pas discipliné. Pourquoi? Parce que quand tu corriges un enfant, au fait, indirectement, tu es en train de corriger ses parents. C'est pourquoi les parents sont toujours offensés quand on corrige leurs enfants. Mais il faut corriger nos enfants. Il faut appliquer. Oh, merci. Alléluia. Le Seigneur bénisse ton âme. Un enfant, ça prend la discipline. Et
La Bible est vraie. Je cherche une façon de le dire sans... Mais il n'y a pas de façon. La Bible est vraie. Donc, des fois, il faut appliquer le bâton de... Il faut appliquer le bâton de la sagesse sur les derrières de l'ignorance, en fait. Ça marche. Ça marche. Dans ma maison, on a beaucoup utilisé la prière en bois. Là. Vous savez, c'est quoi la prière en bois? Les enfants savaient, ça se trouve dans un tiroir. Et quand on tirait juste le tiroir, là, le bruit des ils savaient que bon, là, c'était fini. Pardon? Non, ils n'ont jamais eu. S'ils le cachaient, on allait prendre quelque chose de plus gros. Donc, c'était peut-être. Non, il faut discipliner les enfants. Et discipliner les enfants, cela ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Au fait, un enfant va, au contraire, un enfant va beaucoup plus aimer le parent qui le discipline que celui qui le garde. Parce que dans leur subconscience, ils vont faire le lien. Même s'ils ne le disent pas verbalement, ils vont faire le lien. Vous savez, il y avait un condamné à mort qui devait être exécuté. Et dans les derniers moments, je ne sais plus si c'était le bandit ou si c'était un autre. Comment c'est un autre dans les dernières paroles, il a dit qu'il détestait beaucoup sa mère. Et sa mère était choquée parce qu'elle a tout fait pour lui, elle a laissé tout faire pour son plaisir. Mais lui, il s'est expliqué, il dit que si elle était un peu plus sévère avec moi, probablement je n'allais pas arriver où je suis arrivé. Des fois, on va être mou avec un enfant, mais ce n'est pas vrai. Samuel n'a pas discipliné ses enfants. Et ses enfants n'ont pas marché dans cette voie. Et ils prenaient des pourboires, parce que le pourboire c'est vraiment pour un service, mais c'était la corruption pour émettre de mauvais jugements. Et le peuple ont vu cela, ils ont dit, ben non, on ne veut pas cela. Mais non, on peut être tenté à essayer de justifier le choix du peuple à cause de la défaillance des enfants de Samuel. Mais ça serait une erreur grave. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que une génération plus tôt, on avait le même problème. Élie avait gâté ses enfants. Ses enfants n'ont pas succédé. Il y a eu un autre juge qui a été élevé, qui est Samuel, qui n'était pas un enfant de lui. Donc, on ne peut pas utiliser une faute pour justifier une autre faute, en fait. Donc, la chose à faire n'était pas de maintenant aller demander un roi. Le peuple qui sont allés voir Samuel lui disent, tes enfants ne marchent pas dans tes voies, choisis-nous un roi qui va régner sur nous, comme il y en a chez tous les autres peuples. Écoutez, ça c'est le plus grand combat de l'Église aujourd'hui. Comme tout le monde fait. Mais eux, ils n'étaient pas tout le monde. Ils n'étaient pas tous les peuples. Ils étaient Israël, le peuple choisi, les enfants de Dieu. Et leur roi était Dieu lui-même. Ils ne pouvaient pas être comme tous les autres peuples. Nous ne devons pas être constamment en train de chercher à être comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes les enfants de Dieu. Il a payé un grand prix pour notre acquisition. Nous sommes là pour son plaisir et nous devons faire son plaisir et rien d'autre. Mais non, ils disent, nous voulons être comme les autres peuples. Choisis-nous un roi comme tous les autres peuples en Église. Nous n'allons jamais être comme tous les autres.
Et là, Samuel était vexé. Il est allé prier, il dit, le peuple me rejette. Et là, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Parce qu'ils ont toujours voulu me rejeter dès le départ. Dès que je les ai fait sortir d'Égypte. Écoutez, très souvent, le rejet de l'autorité, c'est le rejet de Dieu lui-même. Rejeter l'autorité, c'est rejeter Dieu lui-même. Tu ne rejettes pas un homme, tu rejettes Dieu. Et là, il dit, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et on va continuer la lecture. Et dis-leur ce que le roi va leur faire. Verset 10. On va reprendre la partie du verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici qui sera le roi du roi qui l'aimera sur toi. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses hommes de guerre et l'attirage de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous pourrez contre vos droits que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Wow, regardez un peu ceci. La chose la plus illogique qui se passe ici. On va leur dire, on va leur donner les avertissements. Votre roi, là, que vous cherchez, il va prendre vos filles, il va les utiliser pour son bien, ça va être ses boulangères, ses pâtissières, ses parfumeuses. Vos garçons seront ses soldats, ils vont courir. Vos récoltes, il va prendre les 10% de vos récoltes. Aujourd'hui, on n'est plus à 10%, on est presque à 50%. En d'autres termes, votre roi va vous imposer des impôts. Ils ont dit c'est correct. Wow. Le silence peut témoigner du désarroi qui nous saisit tous. Oui. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que il y a eu, enfin, quand ça a été établi, que dans la suite, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui? Ben, ça se faisait déjà chez les autres peuples avant eux. Parce que eux avaient une obligation, donner leur dîme à au temple. Et c'est le temple qui était le corps gouvernant d'Israël et avec Dieu à la tête. Maintenant, si tu ajoutes un autre gouvernement, ce gouvernement-là, il faut qu'il fonctionne. Il faut qu'on ait... pour que le gouvernement fonctionne, ça prend des impôts. Ils ne vont pas travailler pour rien. Et donc, ça c'est juste dans la normale. Encore là, on espère avoir un bon gouvernement. Mais si, moindrement, on a un gouvernement comme plus de gauche, ils commencent à inventer des programmes sociaux. Ces programmes sociaux ne sont même pas bien gérés. Et la solution à toute chose, c'est l'argent. Avez-vous remarqué comment chaque problème, c'est l'argent? Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À un moment donné, ce n'est pas
une question d'argent, c'est une question de productivité. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on produise. Sinon, ça, l'argent ne résout pas tout le problème. Tu peux employer 50 ouvriers, mais si les 50 ouvriers travaillent 3 heures sur 8, tu seras toujours en déficit. Toujours. Et notre problème, c'est la productivité. Et mince, pardonne-moi, je glisse encore, mais c'est pour une bonne cause. Écoutez, c'est comme si on diabolise la réussite. Quelqu'un qui travaille fort et qui réussit, il est vu comme mauvais, c'est comme s'il a profité de tout le monde. Non! Il faut récompenser la réussite. Il faut récompenser le travail. Mais ici, on ne récompense pas le travail, mais on récompense le fainéantisme. Ce n'est pas un discours populaire dans notre société aujourd'hui. Mais un enfant de Dieu ne peut pas perdre de vue cela. Sinon, on va avoir des problèmes, même dans notre marche avec Dieu. Ah, aide-nous, Seigneur. Et donc, malgré tout ceci, malgré tous ces avertissements, il prendra autant, il fera ceci. Non, nous ne voulons pas de nous voulons seulement un roi, donne-nous un roi, parce que nous voulons vraiment, tout simplement, notre désir, c'est être comme les autres. Et très souvent, très souvent, c'est l'attitude des gens. Quand ils ont déjà fait leur choix et qu'ils viennent te voir juste pour mettre le cachet sur leur choix. Même si tu leur donnes les bonnes raisons, ils vont dire non. Moi, je veux juste ça. Je veux juste ça. Regardez, la liste est longue, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Ça, c'est des problèmes que le roi allait leur côté. Mais leur réponse au verset 19, il refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Ils avaient un roi qui jugeait dans la justice, mais ils ne veulent pas de ce roi. Ils veulent un roi qui va juger selon ses humeurs, selon ses émotions. Et il nous jugera, il marchera à notre tête. Et ils avaient l'Éternel des armées qui marchait à leur tête, un roi qui n'a pas connu de défaite. Ils disent non, on veut juste un roi qui va marcher devant nous comme tous les autres. Et remarquez, leur roi était immortel. Les rois des autres peuples mouraient et on les remplaçait. Mais ils veulent quand même être juste comme les autres peuples. Église, si nous réalisons que notre force se trouve dans notre différence, nous n'allons jamais continuellement lutter contre les standards de sainteté ou les standards de séparation. Ce sont nos standards de sainteté qui nous séparent du monde. Israël s'habillait différemment. Israël mangeait différemment. Israël s'amusait différemment. Il cultivait différemment. Il construisait différemment. Quand tu voyais un juif qui passait, même aujourd'hui quasiment, tu sais que c'est un juif. Et quand on voit un chrétien qui passe, on doit savoir que c'est un chrétien. Ils étaient différents, nous sommes appelés à être différents. Et quand ils étaient différents, ils étaient puissants. Mais quand ils étaient comme les autres peuples, ils se faisaient écraser. Il n'y a rien de pire qu'un enfant de Dieu qui retourne au vomi. Il fait toujours pire que même ce que le monde faisait. Le peuple refusa d'écouter.
écouter la voix de Samuel, non, dit-il, mais il y aura une voix sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Et puis après cela, Samuel dit, ok, allez chez vous, on va vous choisir encore. Des fois, quand tu demandes quelque chose, Dieu dit non. Tu demandes encore, Dieu dit, ok, vas-y. Parce que Dieu est un gentleman. Il ne va jamais t'imposer son choix. Mais il va toujours te donner le meilleur choix. Mais si tu ne le veux pas, il va te laisser prendre ton choix. Il ne va jamais te forcer. Écoutez, ici à l'église, on ne force personne. Des fois, on nous accuse de tellement de choses que des fois, je me dis, waouh, si j'avais ce pouvoir, l'église serait pleine. Oh, tu as lavé les cerveaux des gens. Je dis, waouh, j'aurais aimé avoir ce pouvoir. Je laverai les cerveaux de tout le monde. Et je vous promets, je laverai les cerveaux de tout le monde. Je dis, oh, tu as lavé les cerveaux de mon enfant. Je dis, ben, tu peux, si j'ai lavé les cerveaux, va aussi le relaver. Comme ça, tu peux le relaver dans l'autre sens. Mais Dieu est un gentleman. Et il n'impose jamais rien. Nous sommes des gentlemen aussi, en fait. C'est bon. Nous sommes des gentlemen, non? C'est pas trop bien. Nous sommes des gentlemen. Et nous n'imposons rien à personne. Mais nous allons prêcher le plein conseil de Dieu. Si c'est gauche, on va te dire gauche. Si c'est droite, on va te dire droite. Si toi tu veux aller à gauche, nous on va aller à droite même tout seul. Si toi tu tiens à aller à gauche, tu vas aller à gauche, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va aller à droite. On ne va pas changer de direction. Non, non, non. On va suivre le plein conseil de l'Éternel. Écoutez, et finalement, le peuple ont eu le roi qu'ils voulaient. Ainsi, le premier roi a été choisi. Les circonstances dans lesquelles Saül a été choisi nous sont décrites dans la Bible. Il a commencé humble. Il était de la famille de Benjamin. Benjamin, c'est une petite famille, une petite tribu plutôt en Israël. Mais non seulement il était d'une petite tribu, mais sa famille dans sa petite tribu n'était pas une famille importante. Il était un homme humble, mais il était grand, beau de figure. Et là, il gardait les ânesses de son père, se sont perdues. Il était à la recherche de ses ânesses. Il a rencontré Samuel le prophète, et c'est de là qu'il a été choisi roi d'Israël. Il a commencé vraiment dans l'humilité. C'était quelqu'un de humble. Il n'aimait pas être mis à l'avant. Le jour de son couronnement, il s'est caché en arrière des bagages et tout, et les gens qui étaient réunis. Quand on devait le couronner le roi, on est allé le chercher parce qu'il s'est caché pour ne pas sortir devant les gens. Mais dans ce royaume, ce n'est pas seulement une question de bien commencer, mais il faut persévérer jusqu'à la fin et il faut bien finir la course. Il faut bien finir la course. Je ne veux pas juste bien commencer. Ce n'est pas un problème de bien commencer. Ce n'est pas parce que Saül a bien commencé qu'il a mal fini. On peut dire, ok, on peut mal commencer et puis bien finir. Non, non, non. On peut faire comme David, il a bien commencé et bien fini. Allô? On n'a pas besoin de mal commencer pour dire que c'est seulement la fin qui compte. C'est pas ça. Parce que la fin peut nous surprendre en pleine course. Avant qu'on change de direction, bam, le Seigneur nous appelle. On fait comment? On veut bien commencer et bien finir. Amen. On veut juste bien faire en tout moment. Saül a
été couronné roi sur Israël à un moment où les Philistins dominaient Israël, et les Amalécites, comme on a appris hier, les Édomites, étaient là toujours à narguer Israël, et Saül a été mis à l'épreuve. Dès qu'il a été couronné, il devait se battre pour défendre les intérêts d'Israël. Il a fait plusieurs erreurs qui lui étaient fatales. On va un peu regarder ces quelques erreurs qu'il a fait. Et tu te rends compte un peu, tes soldats tremblent.
Il est mal pris, ça. Là, regardez, verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Juda et le peuple se dispersait loin d'Israël. Alors Samuel dit, emmenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Samuel sortit au devant de lui pour les saluer. Wow! Maintenant, regardez ceci. Il a attendu 7 jours. Le pasteur n'est pas venu. 7 jours d'attente. Le pasteur n'est pas là. Il dit, bon, comme il n'est pas là, il est en tort. Moi, je vais juste faire ce que je peux faire. Là, il dit, amenez-moi l'Holocauste. Et il fait, il offre l'Holocauste. Là, il vient de violer une autre loi. Parce que, tu sais, seuls les sacrificateurs pouvaient offrir les holocaustes. Maintenant, on peut dire, hey, les gens désertaient, oh, les gens tremblaient, ils n'avaient pas le choix que de faire quelque chose. Oui, mais ça ne devait pas être cette chose-là. Ils pouvaient juste faire autrement. Il pouvait juste appeler une réunion de prière, par exemple. Tu ne vois pas beaucoup de places où Saül bâtit des autels. Il pouvait juste faire une prière, bâtir un autel à Dieu et ne pas faire le sacrifice du temple ou de l'Holocauste. Il pouvait juste invoquer le Seigneur. Mais ça, c'était son premier problème. Saül n'était pas un bâtisseur d'autel. En d'autres termes, Saül n'était pas quelqu'un qui priait. Ce n'est pas quelqu'un qui consultait l'Éternel. Il s'appuyait trop sur lui-même et sur sa sagesse et ce n'était pas bon. Et là, à 7 jours d'attente, le pasteur n'est pas venu. Et dès qu'il offre l'Holocauste, pac! Là, il tourne le coup. Il arrive. Avez-vous déjà vécu ce cas? Tu as attendu la chose. Et juste au moment où tu dis, bon, là, pas. Là, c'est que tu attendais. Là. On dirait que quelqu'un t'est guetté, là. Juste pour attendre que tu te compromettes. Et dès que tu te compromets, paf. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons marcher. Les principes de la parole de Dieu doivent gérer nos vies. Et non nos circonstances ou nos situations. Quand nous laissons les circonstances dicter, nous allons souvent vaciller à gauche, à droite. Et nous allons constamment violer les lois de l'Éternel, les principes de l'Éternel. Quand nous vivons selon les principes, Dieu se justifie toujours. Dieu confirme, Dieu soutient toujours sa parole. Dieu soutient toujours sa parole. Et là, regardez, verset 8, il attendit 7 jours. Selon le terme, c'est par Samuel. Mais Samuel n'arriva. Et Samuel n'arriva pas à Juda, et le peuple s'est dispersé loin de Samuel. Alors Saül dit, emmenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour les saluer. Verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Juda et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert de l'Holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Wow! Maintenant, regardez ceci. Vous rappelez-vous de l'histoire de Gédéon?
Gédéon, rappelez-vous, Gédéon, dites-moi un peu, si vous êtes rapide, Gédéon, c'était avant ou après Samuel? C'était avant. Avant? Il était juge. Alors, Gédéon a eu une victoire sur des milliers. Avec combien? 300 personnes. Tu sais, juste au premier appel là, il y a eu, je ne sais pas, 22 000 qui sont partis. Deuxième appel, je ne sais pas, 17 autres sont partis. Il est resté avec 300 personnes. Et Dieu a donné une victoire éclatante à Gédéon. Mais Saül ici s'inquiète. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de le quitter. Ça ne fait pas de différence si les gens vont quitter. Il a oublié l'histoire d'Israël. Il a oublié que lorsque tu fais selon le commandement de l'Éternel, ce n'est pas toi qui gagnes, mais c'est l'Éternel qui gagne la bataille. Nous sommes très vite à oublier. Dieu va faire aujourd'hui, mais demain nous allons oublier. Dieu va nous délivrer aujourd'hui, demain la même situation arrive, panique, panique totale. Et regardez, j'ai vu que les gens s'éloignaient de moi. J'ai vu que les gens s'éloignaient de moi. J'ai vu que les gens s'éloignaient de moi. Regarde, quand il y a moi, c'est pas bon. Nous devons toujours arriver à une place où nous réalisons que cette bataille appartient à l'Éternel. Laissons-le être le commandant. Écoutez, Dieu peut te donner une bataille sans rien. Vous souvenez-vous, ça c'était bien sûr après Saül. Vous souvenez-vous de quatre lépreux à Samarie, alors que le roi Ézéchias était assiégé. Quatre lépreux sont allés vers le camp des Syriens. Quatre lépreux. Saül avait plus que quatre lépreux. Quatre lépreux. Et juste des gens à qui peut-être il manquait certaines orteils. Un lépreux ne marche pas comme ça. Un lépreux, ça marche. Mais juste à les entendre venir, pour les Assyriens, pour les Syriens, c'était comme... C'était comme une armée. Quatre lépreux. Mais Saül a peur. Il dit, les soldats sont en train de partir. Écoutez, juste suivons ce que Dieu demande. Et Dieu dit, parce que tu as fait comme ça, tu as agi en insensé. Écoute, ne pas suivre le commandement de Dieu, c'est manquer de sens. C'est manquer de sens. Et là, il dit, parce que tu as agi ainsi, Dieu ne va plus affermir ton royaume entre tes mains. Il a choisi un autre qui est mieux que toi. Et c'était fini. Puis Samuel s'éleva et partit. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a donné une deuxième chance à Saül. Mais c'est là que Saül a encore tout gâté. Dans Samuel 15, on voit le même prophète revenir à Saül et lui offrir une autre opportunité. Et Saül va encore gâcher cette autre opportunité. Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce qu'il dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ses camarades, puis à Israël, lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4, Saül convoqua les peuples
et on prit la ville à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Tur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde porte, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Wow. Dieu lui dit, va détruire Amalek à cause de ce qu'il avait fait à Israël lorsque Israël est sorti d'Égypte. On nous a prêché là-dessus hier soir. Et Saül dit, ok, allons-y. Et Dieu lui dit, tu dévoues tout par interdit. Tu tues tout. Les bœufs, les brebis, les hommes, les femmes, les enfants. Tu détruis tout, tu ne laisses rien survivre. Et là, Saül dit, yes, on y va. Il part là-bas, il fait la guerre à Amalek. Bien sûr, Dieu lui donne la victoire. Mais au lieu de suivre encore une fois la parole de l'Éternel, Saül épargne le roi Agag. Il y a une raison pour cela. Il épargne les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, seulement ceux qui étaient chétifs. Il va le dévouer par interdit. Dévouer par interdit, c'est-à-dire brûler tout, ne laisser rien. Ne pas faire de butin, ne rien prendre. Là, il fait ça, il rentre triomphant, et la raison pourquoi il a gardé Agag vivant, parce que capturer un roi, c'était toujours un trophée à exhiber dans la parade de victoire de retour. Quand tu rentres, tu humilies le roi devant le peuple, et là, tu montes à l'orgueil et c'est si pas. L'homme est comme ça, des fois très méchant. Amen. Et là, il garde les bœufs et les brebis. Pourquoi? Pour s'enrichir encore une fois. Et là, il rentre maintenant au pays. Et quand il rentre, qui est-ce qu'il rencontre? Samuel. On continue. Verset 7. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis s'en est retourné et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Wow, il s'est érigé un monument. C'est rare que tu vois cela en Israël. Quelqu'un érigeait un monument pour lui-même. Ça ressemble plus au guide de la révolution des Chinois. Il y a toujours un monument du père de la révolution quelque part sur un rond-point dans le pays. Allô? Ça ne semble pas une pratique. Anyway. Verset 13. Mm-hmm. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, wow. Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce rugissement de bœufs que j'entends?
Waouh! Il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, ah bon? Mais c'est quoi ce meuh que j'entends en arrière de toi? Et ce meuh que j'entends en arrière de toi? D'où vient ce bruit? Si tu as vraiment observé la voix, là, en ce moment-là, c'est comme si tu aurais voulu que tous les brebis et les chèvres se taisent. Mais là, c'est comme il commence à crier de plus belle. Et Saül répondit au verset 15. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Là, il ne prend même pas sa responsabilité. Il met le blâme sur son armée. C'est eux. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Waouh! Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sanctifier à l'Éternel, ton Dieu, et les restes, nous l'avons dévoué. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Ce n'est plus notre Dieu, mais c'est ton Dieu. Hey. J'ai fait ce que Dieu a dit. Mais eux, ils ont amené les brebis. Bah, de toute façon, ce n'est pas grave parce que notre intention est bonne. On veut les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Tu aimes ton Dieu, non? Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Écoute, quand on dit dévoué par interdit, il n'y a pas de reste. C'est comme il n'y a pas de reste. Mais non. Verset 16, Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'est-il pas roi pour que tu sois un roi sur Israël? Verset 18, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies été exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sanctifier. Sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Wow. Regardez, tu sais, il y a de ces places où des fois, quand tu arrives, même la simple raison, tu ne la vois plus. Si, il faut faire vraiment très attention. Des fois, quelqu'un va s'égarer, mais on lui prodigue des conseils, mais ça ne fait plus de sens parce que les calculs sont différents dans sa tête. Et il ne faut pas arriver à cette place-là. Parce que c'est difficile de sortir de cette place, pour ne pas dire impossible. Il faut toujours savoir tomber. Tu sais, juste être capable de dire, ben, j'ai péché. Demander pardon. Mais ça, je ne sais pas si vous voyez l'argument qui se fait ici, mais pourquoi tu as fait cela? Oui, j'ai fait, pourquoi tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé? J'ai fait ce que Dieu m'a demandé, mais il y a un mais. J'ai amené dans la même réponse, il donne une chose et son contraire. Ça, c'est quand on est vraiment aveuglé par l'orgueil. Quand on est au centre de notre propre univers, on est au trône de notre vie, ça, c'est difficile. On a raison et tout le monde a tort. C'est une place dangereuse. Parce que tout commence à faire du sens dans ta tête. Parce que ton raisonnement est déjà tordu. Et là, Samuel dit, mais pourquoi tu as fait ceci?
quand tu étais petit à tes yeux, regardez le signe de l'orgueil. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et c'est là où, ô Seigneur, aide-nous un peu. Regardez, je vais répéter encore, ces derniers temps, cette phrase est revenue encore et encore et encore. Et quand ça revient comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... C'est, quand on te donne un ministère, ce n'est pas une parcelle de pouvoir que tu reçois. C'est une responsabilité on est appelé à servir. Une petite responsabilité, tu commences à malmener tout le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans le royaume de Dieu, le serviteur, c'est toujours celui qui est plus bas. Ce n'est pas celui qui tape sur tout le monde, qui commande tout le monde, qui commence à gérer la vie de tout le monde. C'est pas ça. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé roi. Rappelle-toi comment tu es arrivé à la place où tu es. N'aie jamais oublié d'où tu es sorti et comment tu es arrivé à la place où tu es. Et maintenant, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi maintenant tu veux changer ton comportement? Pourquoi tu veux... Et il dit non, moi j'ai entendu ce que Dieu m'a dit. Je suis allé, et j'ai tout voué par interdit, mais j'ai amené Agag et le peuple ont pris le meilleur. Et le peuple ont pris le meilleur pour l'offrir en holocauste à ton Dieu. Maintenant, regardez par la suite ce que Samuel lui dit. Verset 22, Samuel dit, l'Éternel te dit du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Wow! Oh, je vais juste mentir un peu et puis je vais gêner pendant 2 jours. Ça ne marche pas ces calculs-là. Le Seigneur ne cherche pas ton sacrifice, il cherche ton obéissance. Oh, je vais jouer à la loto et puis au lieu de donner 10% comme dit, je vais donner 50%. Dieu n'a pas besoin de toi. Il veut ton obéissance. Oh Seigneur. Des fois, on invente des trucs pour déjouer le commandement de Dieu. L'Éternel prend-il plaisir dans les holocaustes autant que dans l'obéissance? Ton sacrifice ne signifie rien. On pense que le sacrifice, en fait, la chose la plus dangereuse avec le sacrifice, c'est que ça nous donne le crédit à nous, au lieu de donner le crédit à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 40 jours que tu vas prier pour quelqu'un et quelqu'un est guéri. Tu peux jeûner pendant 3 ans et tu pries pour quelqu'un, personne ne guérit. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Une des premières choses que Dieu regarde d'abord, c'est la compassion. La personne pour qui tu es en train de prier, est-ce que tu as même de la compassion? Parce que si tu n'as pas de compassion, tu pries pour la personne ne guérit, ça devient une source d'orgueil et d'égocentrisme. C'est pas bon. Regardez, la plupart des miracles que Dieu a fait dans la Bible, tu vas voir toujours cette phrase avant, il eut compassion du peuple. On prie pour un malade, pas pour démontrer la spiritualité, mais parce qu'on a mal pour lui. Amen. Et qu'on veut qu'il sorte de cette situation. Amen. Tu sais, si on augmentait en compassion, c'est phénoménal les choses que Dieu allait faire pour nous. Mais on est trop souvent à la recherche du pouvoir, du sensationnalisme. Regarde, compassion. Dieu ne recherche pas les sacrifices. Il recherche d'abord l'obéissance. Il recherche d'abord l'obéissance.
Juste, l'obéissance, c'est puissant. L'obéissance, c'est très puissant. L'obéissance à Dieu. Dieu dit seulement et tu le fais. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et regarde, voici l'obéissance au mieux que les sacrifices et l'observation. L'observation vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Écoutez, l'offrande que tu mets dans le plat là ne vaut pas mieux que ton obéissance ou ta soumission juste à la parole de Dieu. Car, regardez là-haut, ça fait peur. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. En d'autres termes, il dit ceci, la désobéissance est comme la sorcellerie. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est un sorcier. C'est ce que ça veut dire. Ça fait peur. Moi, je veux obéir en tout cas. Et demain, pourquoi? Car la désobéissance est aussi coupable que les divinations et la résistance. Écoutez, tu sais, quand tu désobéis, c'est comme ceux qui pratiquent la divination. Les gens qui vont lire les mains, les boules, les cristals, ces choses-là, j'avais regardé une vidéo, je ne sais pas, quand j'ai regardé, quand j'ai fini, j'avais un sentiment partagé. Honnêtement, je vous dis, j'avais un sentiment vraiment partagé. Ces journalistes, il n'était pas trop gentil. Il a fait une démonstration valable, mais il n'était pas trop gentil. Et ils étaient dans le studio, puis quelqu'un qui disait que lui, il était devin, il pouvait lire l'avenir et tout ça, blablabla. Et puis là, en pleine caméra, le journaliste lui donne une gifle sérieuse. Chouac! Il dit, je viens de prouver que tu n'es pas devin. Pourquoi tu n'as pas pu deviner que j'allais te chier? C'était pas. J'avais la tentation de rire et de dire ah ah, voilà maintenant. Mais en même temps, j'ai dit non, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. Mais, bref, nous les enfants de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu pour ne pas être comme ces gens-là. Amen. Nous ne consultons pas et nous ne pratiquons pas ces choses. Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est très manipulateur. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose qui est arrivé dans ta vie que ça vient de la part de Dieu. Soyez un peu juste, un peu plus intelligent. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui est arrivé que ça vient de Dieu. Il y a plein de démons qui sont au courant de toute ta vie. Qui sont au courant de toute ta vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas de Dieu. La façon de vérifier si quelqu'un, si c'est de Dieu, c'est par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas par rapport à un événement dans ma vie. Ma vie est croche. Je ne peux pas la prendre comme référence de mesure. Allô? Notre référence de mesure, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça. Maintenant, regardez ceci.
coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bam! La sentence tombe. Et là, remarquez, en premier, Dieu a dit, je ne raffermirai pas ton royaume, mais là, il dit, ton règne est fini. Et c'est la seule chose qui comptait pour Saül. Et quand on dit que tu es rejeté comme toi, ça l'a touché profondément, parce qu'il était plus question de sa royauté que du règne de l'Éternel sur son peuple. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Tu peux le lire un peu rapidement, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je t'ai pris, pardonne mon péché, et viens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül est saisi par les pans de son manteau qui se déchira. Wow, il ne faut jamais faire ceci. Il ne faut jamais tenir le pasteur dans ses mains. D'habitude, ils sont pauvres. Et ils gardent leurs vêtements pendant longtemps. Tu accroches, là, c'est comme ça, se déchire facile. Il y a des choses qui ne changent pas. Alléluia. Et là, son vêtement se déchire. Et puis, Samuel dit l'Éternel, déchire aujourd'hui de dessus toi, la royauté d'Israël, et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se répentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je t'ai pris au nom en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, et viens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Waouh! Et regardez ceci. Ça, c'est la preuve vraiment que Saül n'était pas repenti. Saül a changé de ton lorsqu'il a su que sa royauté était enlevée. Parce que Samuel dit, fini, Dieu te rejette. Samuel veut partir, il le tient dans sa veste se déchire. Et là, Samuel dit, ton royaume est déchiré de dessus toi comme tu as déchiré mon manteau. Fini. Non. Reviens-toi et viens m'honorer devant les anciens de mon peuple et devant le peuple. Il était question non de se repentir, de se mettre en ordre avec Dieu, mais plutôt de soigner son image vis-à-vis du peuple. Parce que vraiment, le pouvoir venait du juge, le pouvoir venait du temple. Et si le temple t'est rejeté, le peuple t'est rejeté aussi. Et il voulait cette approbation. Il voulait que Samuel l'approuve ou le reconnaisse devant le peuple pour raffermir son rêve. Mais Samuel a dit non. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Ce n'était pas, Seigneur, oublie le royaume, mais aide-moi. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Et finalement, Samuel avait un manteau déchiré, c'est pas bon. Verset 31. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, pas d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre mes femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel à Gilgal. Quand Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel s'est repenté d'avoir établi Saül roi d'Israël. Et c'est comme ça que l'histoire de Saül est finie. Les juges qu'il a intronisé roi étaient dans le deuil et ils pleuraient sur lui. Alors que
il n'a pas fait vraiment, il n'a pas obéi aux ordres de l'Éternel. Vous savez, notre futur, est déterminé par notre obéissance à la parole du Seigneur. Si nous obéissons à l'Éternel, nous allons nous en sortir. Mais si nous n'obéissons pas, nous allons aussi récolter les conséquences de notre désobéissance. C'est triste de voir ces rois qui avaient bien commencé et qu'ils finissent de cette façon. Nous devons vraiment tirer la leçon de l'obéissance. Écoutez, c'est difficile, des fois, surtout pour cette génération, où tout le monde est intelligent à ses propres yeux. Tout le monde est capable à ses propres yeux d'être tout simplement obéissant. Juste d'obéir. Des fois, ça ne fait aucun sens. Mais néanmoins, nous devons obéir. Des fois, ça va dans le ça. Tous les indicateurs disent non, mais nous sommes juste appelés à suivre ce que la parole de Dieu demande. Vous savez, c'est toujours mieux d'avoir Dieu de notre côté que d'avoir à plaider maintenant avec lui alors qu'il est de l'autre côté de la table. Moi, je veux être assis du même côté que le travail. Et nous devons obéir. Samuel pleurait. Regardez ceci. Ça n'a pas fait plaisir à Samuel de voir Saül se perdre. Il n'y a pas de plaisir dans la perte d'une âme. Aucun plaisir, je voulais dire. Mais des fois, c'est juste triste. Des fois, c'est juste triste. Et là, Samuel, après avoir vu, il dit, amène-moi Agag. Vous savez, servir Dieu ne veut pas dire être un paillasson. Voyez un peu l'image. Le roi, les soldats, les guerriers est là. Mais c'est maintenant le sacrificateur qui doit sortir son épée. Les juges, le vieux Samuel, qui doit sortir son épée et tuer Agag pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Alors que sont ceux qui avaient la vigueur pour le faire, ne le font pas. Nous devons être obéissants à l'Éternel. Suite à cela, Samuel pleurait. Il pleurait. Pour tout un chapitre, il pleurait. Et quand on arrive au chapitre 16, la Bible ouvre le chapitre 16 avec ces paroles-ci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne de l'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe et Lévite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et en d'autres termes, l'Église continue. En d'autres termes, le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Vous savez, des fois, il faut faire la différence entre le plan de Dieu et mon opportunité de servir dans le plan de Dieu. Dieu peut me donner une opportunité de servir dans son plan. Mais si je ne saisis pas cette opportunité, Dieu va me changer. Dieu va mettre quelqu'un d'autre. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Ce que Dieu veut va s'accomplir. Mais que nous soyons dedans ou pas, ça, c'est nous qui allons le décider. Dieu va sonner la trompette un jour.
et l'Église va partir. Que nous soyons dedans à ce moment-là ou pas, ça c'est nous qui avons le dernier mot là-dedans. Dieu va avoir un réveil pour cette ville. Dieu va avoir un réveil pour le Québec. Dieu va avoir un réveil pour le francophone. Ça, c'est écrit. Mais est-ce que nous allons faire partie de ce réveil ou pas? Ça. C'est notre choix. En d'autres termes, moi, je ne veux pas juste. Nous ne devons pas juste être une référence dans l'histoire de l'œuvre de Dieu. Nous devons être là jusqu'à la fin. Nous devons persévérer, nous devons veiller sur notre propre marche. Et laissez-moi vous dire, j'ai toujours un des éléments les plus importants, c'est d'être honnête avec soi-même. Tu veux être honnête avec toi-même, parce que du moment où tu commences à te mentir toi-même, tu es dans des troubles. Parce que c'est difficile de corriger le tir. Du moment où tu sais que selon la parole de Dieu, tu as une infraction, tu es dehors. Mais tu essaies de te convaincre par plusieurs choses que tout va bien. Ce n'est pas bon. Laisse la parole de Dieu te convaincre que tu marches dans la bonne voie. Amen. Oh, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Écoute. C'est ça qui va déterminer. Nous voulons être dedans. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons. Ça fait longtemps que nous avons chanté cette chanson. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous ne voulons plus aller jusqu'au bout. Avec Jésus. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Avec Jésus. Yeah. À vous toujours. Il ne faut pas que notre louange s'arrête. Il faut que nous allons jusqu'au bout. Écoute, oh Seigneur, aide-nous, papa. Juste aide-nous, Seigneur. Nous voulons aller jusqu'au bout. Maintenant, notre rédemption est plus proche que lorsque nous avions commencé. Écoutez, les temps ne reculent pas, les temps avancent. Ne niaisons pas, comme on dit en bon français chez nous au Québec. Il ne faut pas niaiser avec cette affaire. Nous devons juste nous atteler à la tâche. Veiller sur notre propre salut avec crainte et tremblement. Travailler plutôt sur notre salut avec crainte et tremblement. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Je ne veux pas faire de compromis. Je veux y arriver. Et vous voulez y arriver. Vous ne voulez pas faire de compromis. L'homme est remplaçable, mais le dessein de Dieu demeure. Le dessein de Dieu demeure. Le dessein de Dieu demeure. Je ne veux pas qu'on me remplace. Je veux juste jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Samuel pleurait, mais Dieu dit, lève-toi, il y a un autre. Écoutez, si... Ça fait mal de voir quelqu'un tomber. Mais lève-toi, le royaume doit continuer. Le royaume doit continuer. Et ce n'est pas la seule place. Souvenez-vous de Élie. Il est allé se cacher dans la grotte. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais ici? Lève-toi, va poindre quelqu'un d'autre pour te. Le royaume doit continuer. Le royaume doit continuer. Et le royaume va continuer. Si nous ne nous mettons pas à la page, nous risquons d'être laissés en arrière. Mais le royaume va continuer. Et nous voulons être au centre de ce que Dieu est en train de faire. Je ne veux pas être aux périphéries de ce que Dieu est en train de faire. Le diable est toujours aux périphéries de ce que Dieu est en train de faire. Mais les enfants de Dieu sont toujours au centre. Au centre. Au centre. Mais aux périphéries, c'est pas bon. Dans les limites là, c'est pas bon. C'est là où le diable travaille. Mais vous devez être au centre.
là où Dieu œuvre, c'est là où nous devons être. Le prochain roi qui va être choisi va être David, mais on ne va pas le couronner aujourd'hui, vu qu'après qu'il ait été rejeté, Saül n'a pas été jeté hors du palais tout de suite. Nous allons le laisser un peu, une autre semaine dans le palais. Amen. Mais il n'a pas exterminé tous les Amalécites. Et il a été finalement tué par les Amalécites, par un Amalécite. On va voir cela le lundi prochain. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je veux savoir la motivation de Saül quand il dit à Samuel que c'était pour sacrifier cela, ce qu'ils avaient mis de côté, les exterminer. Je veux savoir, est-ce que c'était vraiment la motivation, c'était sacrifier ou sa propre gloire? Ça, je ne sais pas. C'était attiré par la convoitise. Ben, une chose qu'on peut dire, c'est que c'était attiré par la convoitise de posséder. Parce que toute armée va s'enrichir avec une guerre. Alors, les soldats sont contents quand il y a la guerre. S'il n'y a pas de guerre, ils sont au chômage. Alors, ils n'ont pas de raison d'être. Ben voilà, au moins j'ai quelqu'un qui m'appuie là, tout le monde m'a abandonné. Alléluia. La guerre est toujours rentable pour le gouvernement, surtout s'il gagne. Tu sais, quand il y a ce qu'on appelle le butin de guerre. Mais Dieu ne leur a dit pas de butin, vous allez tout sacrifier. Vous allez tout vouer par interdit. Mais Saül est allé, il a fait le butin. Il s'est enrichi avec la guerre. Et c'est ça l'erreur qu'il a fait. Tu sais, s'il l'a pris, c'est pour s'enrichir, pour avoir plus. Donc, tu sais, la motivation, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais là, il n'y a vraiment pas d'autre raison de prendre toutes ces choses si ce n'est pour mettre dans le compte. Moi, je pense que l'idée de sacrifice est venue par la suite. Ben, parce que si tu veux offrir un sacrifice, tu ne prends pas les troupeaux. Alors, peut-être une vache allait survivre. Toi, tu prends des troupeaux. Ben, ça c'est pour se vanter. Parce que quand il arrive dans la ville, ça c'était une pratique ancienne. Tu essayais toujours de capturer le roi vivant. C'est pourquoi le roi essayait aussi des fois de se tuer avant qu'on le capture. Parce que quand on le capture vivant, on va le parader comme un trophée. Tu as été assez fort pour le capturer vivant. Et là, tu montres, et ça augmente ta réputation. Ça augmente ta renommée. Et c'est ça. Très souvent, souvenez-vous de Josué, quand. Il a poursuivi les 4 ou les 5 rois qui étaient allés se cacher dans une caverne. On les a sortis de là, on les a amenés et devant le peuple, et tous les dirigeants venaient et mettaient leurs pieds sur leur tête devant. Et c'est ça. C'est l'orgueil. Montrer sa force, son autorité, montrer qu'on a été capable. Il y a certaines choses dont l'Éternel ne veut pas que ça soit.
pourtant, ce n'était même pas ça, parce que le problème, c'est que le Seigneur ne lui a pas dit que ben, il ne faut pas parader le roi. L'Éternel lui avait dit juste « vous par interdit ». Mais lui, il ne l'a pas fait. Va jouer tout ça par interdit, mais lui, il ne l'a pas fait. Il a voulu... au lieu de faire ce que Dieu a fait, ça devait porter gloire à Dieu. Mais là-dedans, il veut un peu se réserver un peu de gloire à lui aussi. Hallelujah. Pas de questions? Pas de questions? Non. Alléluia, on va conclure alors. Le doyen va prier pour nous et on va se retrouver lundi prochain. Et peut-être que lundi prochain, on va avoir le frère Gorey avec nous. S'il arrive à changer son billet pour retourner mardi, on l'aura lundi dans notre étude biblique le soir. Mais à partir de mercredi, si tout va bien, il va être avec nous ici pour notre service de milieu de semaine. Et le jeudi, il sera à l'Est. Nous sommes conviés à être là pour la semaine de réveil. Et ça va être juste chaud. Jeudi soir, vendredi soir, samedi matin et dimanche, il va prêcher à l'Est le matin et le soir. Et ça va être tout simplement extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis blessé. Oui, Doyen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour le temps que tu as permis que nous puissions entendre, Papa, de ta part, Seigneur Jésus. Papa, nous te prions maintenant que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, Papa, que nous puissions le prendre avec action et grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Donne à manger à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Éternel Dieu, tout le temps, que nous entendons ta voix, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu trouves chacun de nous, Seigneur, que cette fonction nous puissions la propager partout. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va s'en servir. Amen.